Maman, est-ce qu'il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes? Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie? Parce que je veux faire un exposé dessus. Ah bah à mon avis, t'as de quoi dire, hein? Tu sais, tu peux parler du travail déjà. Ben, maman elle travaille, papa travaille. Moi je gagne pas du tout la même chose que ton papa. Ça c'est les inégalités au travail. Tu peux parler de ce qui se passe à la maison aussi. T'as déjà vu papa faire le ménage? Non. Non, hein? Bah voilà. Ou bien tu me disais aussi la dernière fois que tu trouvais que t'étais défavorisée par rapport à ton frère. Je te rappelle? Ouais, papa, t'as reçu ton nouvel autoradio dans ta voiture? Oui, je l'ai reçu ce matin. Ouais, trop cool, on pourra l'essayer? Si tu veux, on l'essaye après le repas. Ah ouais, moi j'ai fini, hein. Débarrasse avec ta mère, tu viens après. Oui, je me rappelle. Et ben voilà, ça c'est les inégalités à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Tu sais que si tu veux te battre avec papa. J'ai parlé de ce repas. Non. Tu peux pas me dire de non. Pas y aller. Tu m'as rien dit. Et encore une fois, vendredi soir, tu sais bien qu'on passe la soirée à deux. Tu m'as jamais parlé d'un repas. Il y aura tout le monde. Je peux pas ne pas y aller. Il y aura Vincent? Ben oui, il y aura Vincent. Non, tu peux pas. Vincent, tu m'avais pas prévenu. Arrête, il peut pas venir. Il pourra pas venir. Calme-toi. Parce que là, à chaque fois, je tombe sur des textos qui sont vraiment pas sympas. Hein? Alors ça va pas. Hein? J'ai vu ça, ma chérie. Écoute, t'inquiète pas. Tout ça va changer. Ça doit changer, ça va changer, je te promets.